Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la semaine, donc du lundi 11 au vendredi 15. Alors juste un petit aparté, désormais, alors je vais voir si j'ai si je vais prendre l'automatisme de le faire, mais on m'a demandé de faire les tirages devant, donc je vais faire en sorte de faire un petit accéléré, donc c'est ce que j'ai fait hier soir, et là je reprends le tirage le matin parce que j'étais un peu fatiguée, je me suis dit voilà, une heure c'est pas possible, il faut que je dorme. Donc voilà, c'était la semaine de la pleine lune la semaine dernière et j'ai pas beaucoup dormi, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont montées. Alors, ici on entre dans une phase de la pleine lune où on vous dit qu'il est temps d'exhaler, de respirer, de souffler un bon coup. On est dans l'énergie décroissante de la lune, hein. Donc là on sent les effets de la pleine lune se dissiper lentement. On a en énergie exprimé votre vérité. Prendre une pause, ici on vous dit que c'est un travail de toute une vie et pas d'une saison, donc il faut prendre son temps et aussi take a break, c'est vraiment avec souffler et exprimer sa vérité, c'est vraiment voilà, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie. D'ailleurs on est dans l'énergie, alors aujourd'hui on est le lundi 11 mai, il y a Saturne qui rétrograde, si ça vous intéresse, j'ai fait un petit, on va dire un petit repost d'une publication où c'est très bien expliqué, et puis j'avais parlé aussi de la rétrogradation pardon, de Saturne, donc les anneaux qui se desserrent, en tout cas nous on sent vraiment un relâchement, donc ça correspond au déconfinement, donc on garde les précautions d'usage, mais comme Saturne rétrograde en vers on ressent peut-être le besoin aussi de revenir vers ses amis, vers la communauté, vers les réseaux sociaux. Mais là, étant donné que c'est aussi une reprise de liberté, on va dire ça comme ça, eh bien, on garde les précautions d'usage. Néanmoins, c'est, on va dire, la moindre des choses parce que le virus est toujours eh bien, dans les rues. Hein, donc voilà, on ne va pas non plus faire des barbecues avec 20 personnes. On se limite un petit peu. Mais voilà, les anneaux de Saturne s'éloignant, enfin la Terre s'éloignant de Saturne, eh bien ici on va sentir ce relâchement, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on a ces énergies, exprimer sa vérité, prendre une pause, parce que là on est dans une énergie de compassion, de gentillesse, de souci des autres, de sympathie, de compréhension, de pardon, d'amour et des idéaux. Donc c'est une très belle carte, je la trouve très jolie, très joliment dessinée. J'aime beaucoup les couleurs en plus. Donc là on vous dit un idéal de gentillesse et de compassion. Voyez tout ce qui est bon dans l'humanité, tout ce qui est bon et pur. Faites des efforts pour être meilleur. Donc là, c'est vraiment la connexion au cœur. Hein. On a exprimé sa vérité, connexion au cœur. Ici, il y a des choses qui vont être ajustées, mais fortement. Adoptez de saines limites. Acceptez de vaciller. Triomphez des obstacles avec une douce détermination. N'opposez pas l'agressivité à l'agressivité. Donc répondez par la gentillesse. S'entendre l'autre joue, hein, on n'est pas tous Jésus, soyez gentils et éloignez-vous. Donc ici, voilà, c'est les mots-clés du livret, hein. Le 6 d'eau fait aussi appel à tout ce qui va être le cœur pur, l'enfance, l'enfant intérieur, il y a vraiment l'idée de partager avec le cœur hein, des moments présents. Donc ça, ça va être le 6 d'eau du tarot de Marseille. Et ici, on vous parle de se connecter au cœur, d'ajustements à faire, d'apprendre par l'expérience. Ici, pour moi, c'est une expérience du passé où justement, vous allez recoller à votre cœur pur, vous allez recoller à vos valeurs, à ce que vous avez envie de faire. On a des choses hein, qui se mettent en place, encore une fois. On a Underworld qui est ressorti, il me semble qu'il était sorti il n'y a pas longtemps. Et Maison du Capricorne, hein, bien sûr, parce qu'on réfléchit à sa carrière, donc c'est encore une énergie qui revient. J'en avais déjà parlé, il me semble, une ou deux fois, où là, on est, on va dire qu'on veut, je dirais, coller à ses principes, coller à ce qu'on veut vraiment. Et du coup, on va déconstruire, je dirais, des choses qui ne nous conviennent plus. On va, voilà, on va gentiment les défaire, les dénouer, parce qu'il y a des choses qui se tissent dans l'ombre. Hein, ça, j'en avais parlé il y a moins de 10 jours, il me semble. Et donc là, se connecter au cœur, on a la destruction sacrée dans la maison de la balance, donc du couple, qui était aussi sortie. Ici, compromis, couple, association, amour, destruction sacrée. Alors, je vais peut-être tirer une carte. Pour ces énergies-là, on a le cœur hein,
ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, là on a le cœur, on a les fibres du cœur, enfin le... ici j'ai vraiment l'impression que vous allez détruire des schémas qui ne vous conviennent plus dans le couple. On a vraiment, il y a les compromis, il y a le couple, hein, donc on va défaire pour mieux faire, pour refaire mieux aussi. Donc là, il y a vraiment l'idée de passer à l'action, c'est-à-dire je me défais de tout ce qui ne me convient plus, je vais faire des compromis mais qui collent à ma réalité et à ma vérité aussi, donc je vais exprimer ce que je ressens. Moi je pense qu'il va y avoir des discussions, surtout qu'on arrive tranquillement mais sûrement vers la nouvelle lune en Gémeaux, donc là on va parler de discussions. On a Mercure en Gémeaux aussi, donc voilà, on va se mettre en place en termes de communication vers quelque chose qui nous convient plus, qui nous correspond plus. Donc ici, je vais voir si je tire une autre carte, c'est pas sûr. Là, on a le repli sur soi avec la personnalité, l'identité, l'individualité, commencement, but. Pour moi, justement, vous sortez de ce repli sur vous-même. Vous êtes en train de vous affirmer. Moi, j'ai vraiment cette notion d'affirmation. Je me recolle à moi-même. Je défais, je fais des compromis, mais j'exprime ce que je ressens. Et du coup, là, on a la personnalité avec la maison du bélier. C'est celui qui fonce, c'est celui qui agit. C'est celui qui va exprimer son individualité, qui va commencer les choses aussi. Donc pour moi, cette phase de repli, bah, c'est tout simplement... Vous allez me dire, bah oui, t'es mignonne, mais c'est le déconfinement aussi. Oui, effectivement, mais les cartes en parlent en termes d'énergie, c'est-à-dire fini le repli sur soi. Peut-être que dans le couple ou dans son cœur, on n'osait pas exprimer, là, enfin, on aborde les choses. Moi, j'ai l'impression que vous allez aborder les choses, que vous soyez en couple ou même dans vos intentions. Voilà, vous pouvez être célibataire et vous dire, bon, bah désormais, maintenant, je vais m'affirmer, je vais plus me replier sur moi-même, je vais vraiment m'exprimer. Donc là, on a cette énergie de défaire pour mieux refaire. J'ai vraiment l'impression, là, que c'est justement cette... on a trois planètes qui rétrogradent, alors je pourrais plus vous dire lesquelles, à part Saturne, c'est vraiment elle qui m'a marquée. Mais on a comme un rétro-pédalage pour, voilà, on avançait dans une direction, puis hop, on rétro-pédale, et puis hop, on avance. Donc là, on s'affirme, fini le repli sur soi, donc que ce soit le confinement ou juste une énergie un peu d'ermite, où là, on va vraiment prendre, aller de l'avant. On a suffisamment réfléchi, on a suffisamment dénoué des problèmes, dénoué des nœuds énergétiques, et là, on se met en place. Au niveau... de la carrière, de la position sociale, réputation, ambition. Il y a encore des choses en souterrain, je vais dire. J'allais dire en sous-marin, mais c'est plutôt des choses souterraines où vous avez encore besoin d'une once de travail supplémentaire, je dirais. Dans l'underworld, c'est vraiment le monde souterrain, c'est ce que vous préparez. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à votre carrière, à votre travail, en vous disant « est-ce que ça me correspond vraiment ?» Donc on retrouve cette énergie qu'on avait, je pense que c'était le week-end précédent ou la semaine précédente. On avait ce questionnement-là qui ressortait. Donc rien de nouveau, j'ai envie de vous dire. Hein. On est toujours dans la maison 10, dans la maison du Capricorne qui prépare les choses. Donc là, je pense qu'avec la connexion au cœur, exprimer sa vérité, on vous dit de souffler, on vous dit de penser avec l'amour, vous avez des idéaux, donc là, est-ce que votre position sociale correspond vraiment à ce que vous souhaitez? Ici, on a le vide et l'opposition, trouver un équilibre, une complémentarité, donc peut-être qu'il y a une période de creux, justement, on vous demande de trouver le juste équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous êtes. Voilà, il y a vraiment... J'en avais parlé d'ailleurs, c'était, voilà, il y a ce que je veux, ce que je fais, est-ce que ça correspond les deux, est-ce que ça correspond à qui je suis, est-ce que ça correspond à ce que je veux être, parce que l'important, c'est pas l'avoir, mais l'important, c'est le verbe être. Donc ici, voilà, vous êtes en train de réfléchir, peut-être qu'il y a un vide d'ailleurs dans votre vie, mais c'est vraiment, moi, ce que je ressens, c'est une rétrogradation, justement un rétropédalage pour mettre en place de nouvelles choses ou pour ajuster les choses existantes. Donc on va aller voir ce que ça nous dit dans le tarot de Marseille. Je vous laisse regarder un petit peu le tableau et vous imprégner des énergies. Alors, je vais faire un tirage en croix, bien sûr, comme d'habitude. Donc je le fais en ligne hein, pour que tout le monde puisse voir, parce que les cartes sont assez épaisses et grosses. Alors, pour la semaine du lundi 11, à partir du lundi 11 jusqu'au vendredi, s'il vous plaît. Alors, je regarde, voilà, juste si elle était à l'endroit. Qu'à l'endroit à l'envers, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous
l'évolution de cette semaine, quelles vont être les énergies. On a déjà la force qui ressort, donc très bien. Alors ici, on a trois cartes qui sont tombées. Oh, on a le roi de denier. Donc en aide, le roi de denier. Et puis en dos de deck, je regarde hein, en même temps. En dos de deck, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui correspond justement à la communauté, au plaisir, aux échanges, à la fête aussi. Donc là, c'est vraiment un rehaussement d'énergie, un rehaussement énergétique pour pouvoir justement apporter l'abondance. Hein, donc c'est la joie de vivre, la fête, les festivités, la communauté. Donc ça peut être la famille aussi, éprouver de la joie en famille, hein, c'est le message de cette carte dans le tarot de Marseille. Alors, ici, je vais laisser s'échapper. Donc à court terme, s'il vous plaît. Alors, on a le 5 de bâton et le 9 d'épée. Donc là, à court terme, il y a des craintes. Hein. On va poser d'autres cartes dessus de toute façon. C'est en amour, hein. C'est en amour. Là, on a les amoureux. Je vais quand même l'isoler, celle-ci. Mais je vais prendre un autre tarot. Alors, hop. On va faire de la place comme ça. Voilà. Allez, à long terme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme énergie à long terme? Alors là, on a tempérance, très bien, et 8 de denier, très bien, très bien, très très bien. Surtout après ces énergies-là, donc à long terme, il y a vraiment une amélioration de la situation. Je pense qu'il y a des craintes qui ressortent, mais ça, c'est aussi les résidus de la pleine lune dans le signe du scorpion, où on vous dit qu'il y avait de la négativité à relâcher. Ici, on a le soleil. Bon, bah voilà, les choses s'arrangent. Très bien. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Est-ce qu'on aura assez de place pour tout voir? Oui. Voilà. Hop. Alors, désolé, ça a claqué, ça a fait du bruit. Hein, c'est pas... Alors, 4 de denier, 3 de coupe et le jugement. Ok, donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est les deux decks. On va les mettre comme ça. Et là, il y en a 3. Ok. Et en synthèse, on a le valet d'épée, pardon. Donc, le valet d'épée qui va parler d'un nouvel état d'esprit, d'un projet, de vraiment combattre justement la négativité. Je pense qu'il y a des craintes là qui ressortent. C'est aussi logique, hein, ça va de pair avec le déconfinement. Mais là, tout s'éclaire, hein, tout s'éclaire, il y a un éclaircissement. Là, c'est des craintes au niveau, des disputes au niveau du couple, de la vie de couple. 9 d'épée, oui, donc c'est des cauchemars, des craintes. Alors, on va prendre un autre jeu avant de se lancer dans l'interprétation des combinaisons des cartes. Alors, la force, un message pour la force, s'il vous plaît. Donc, un message pour la force. Hop. Donc là, c'est le courage. C'est aussi surmonter les difficultés avec douceur, avec gentillesse, en étant sincère avec soi-même. On maîtrise, on domine les émotions négatives. Donc là, c'est vraiment ce que vous allez travailler sur le court terme, bon, cette semaine. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, il faut que je les remette bien. Encore une fois, l'envers à l'endroit, ça ne veut pas dire la même chose. Alors, la force, s'il vous plaît. Quel est le message pour la force? Bon, ben voilà. Alors, on a le 8 de coupe. Donc c'est ici avoir la force nécessaire d'aller chercher des choses plus significatives. On va aller voir avec le roi de denier. Alors ici on a le 8 de denier, encore non le 7 de denier pardon, le 5 de denier et le 9 d'épée. Donc encore des craintes, surtout au niveau de l'argent. Donc là on va vous dire comment faire dans ce tirage pour justement rehausser les énergies parce qu'il y a des craintes. Au niveau, voilà, là, vous cherchez comment faire, je dirais, à l'intérieur de vous-même. Vous trouvez des solutions pour ne plus éprouver, parce qu'on a deux fois le 9 d'épée. Donc, il peut y avoir des questionnements au niveau de l'argent, au niveau de la carrière. Oui, on va aller voir.
Je vais peut-être garder l'ermite quand même. Hop, je le mets en dos de deck. Vous ne le voyez pas, mais c'est juste pour moi, pour m'aider dans ma lecture. Alors, le 5 de bâton, le 9 d'épée, les amoureux. Donc, c'est au niveau du couple, au niveau de la vie amoureuse, de la vie sentimentale. Ce que je rappelle, hein, 3 de coupe et 6, enfin, les amoureux. Le tarot étant écrit, a été créé au 15e siècle. Au 15e siècle, les triangulaires, c'était bûcher, pendaison. Donc, dans un parcours initiatique, ils n'allaient pas parler de ça. Il y a l'énergie du diable hein, qui parle de tout ça. Néanmoins, c'est vraiment... voilà, le 3 de coupe, ça va être la communauté, les amis, la famille. Hein, vraiment le cercle proche où on va éprouver de la joie. Ça peut être éprouver de la joie dans les difficultés. Et les amoureux, c'est vraiment le choix du cœur, le choix divin. Le mariage hein, dans son l'union la plus sacrée, donc l'union avec le divin, l'union avec bah, l'âme sœur entre guillemets, alors la personne de cœur hein, qu'on a choisie, qui doit être approuvée à la fois par l'autorité parentale, familiale, et là c'est représenté par la figure de la mère, hein. Je vous montre vite fait. Donc voilà, on a la mère qui a la coiffe, la madone, la matrone qui a la coiffe, qui a les cheveux attachés, la jeune fille qui a les cheveux courts. Et là, l'enfant, hein, puisqu'il est en culotte courte, donc ça doit être des personnages qui ont entre, je dirais, 12, 13, 14 ans. Voilà, un peu comme Roméo et Juliette qui étaient très jeunes, tout simplement parce que bah, c'est à cet âge-là qu'on se mariait, puisque l'espérance de vie était restreinte. 40 ans, c'était déjà une belle vie. Donc on se mariait jeune et il fallait faire approuver ce choix par l'église et par les parents, puisque les mariages étaient souvent combinés et arrangés. Donc voilà, c'était la petite parenthèse historique, on y va, on y retourne. Alors là on a 6 d'épée, très bien, avec le roi d'épée. Donc là, c'est le bon raisonnement et la structure, la discipline, la volonté. Il y a vraiment l'idée ici de surmonter ses peurs. Donc très bien, très belles énergies. De toute façon, on a le soleil au-dessus, hein, avec tempérance. Là, on a le 10 de coupe quand même qui parle de bonheur retrouvé. Peut-être après une période difficile où il y a eu... Ouais, il y a eu des difficultés. Là, vous surmontez les difficultés. On parle de succès, de réussite avec le monde et le 6 de bâton. Donc, succès sur peut-être des choses qui étaient entravées, qui étaient malsaines. Voilà. Là, c'est on respire, en fait. Il y a vraiment une respiration retrouvée. Alors, tempérance, 8 de denier. J'essaye d'aller vite. Alors là, on a quoi? 9 de coupe, pas mal. 3 de denier, pas mal aussi. Ok. Là, on a 3 d'épée, donc c'est une période où on était vraiment pas bien. Une période où on était, je dirais, fermé au niveau du cœur. Donc là, il y a peut-être un relâchement et justement, on va chercher des solutions pour améliorer la vie sentimentale, pour améliorer la vie, voilà, ce dont j'ai besoin, parce qu'il y a du denier qui ressort quand même. Hein. Les besoins, le corps, la sécurité, le pouvoir, l'aspect matériel. On a l'aspect sentimental, on a de tout hein, dans ce tirage. Très dense, très complet. Alors, je vais garder le 3 d'épée pour moi comme info. Et en synthèse, s'il vous plaît. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc, le jugement, 4 de denier, on se protège. Illumination, révélation, message. Alors là, pareil, on a trop de cartes. Allez. Eh bien, on a le monde et l'as d'épée. Donc ici, clarté d'esprit, il y a vraiment une ouverture sur le monde. Clarté d'esprit, on se sent mieux. Là, on a l'empereur hein, en dos de deck. Donc là, il y a vraiment l'idée de trouver des solutions, d'avoir, de concrétiser, de passer à l'action aussi, peut-être après une période floue, parce qu'on a la lune. On a la lune qui ressort, donc là on a l'empereur et le valet d'épée, pardon. Donc je parlais de clarté d'esprit, d'avoir aussi, d'être un peu sur la brèche. Hein. Je vous sens, enfin dans ce tirage, je vous sens sur la brèche dans le sens, voilà, tiens, il y a encore des craintes qui ressortent, mais là je vais faire preuve de bon raisonnement parce que je veux réussir. Derrière le valet d'épée, on vous parle quand même de 3 de bâton et de roi de bâton. Donc là, il y a l'idée de se mettre en place, de trouver comment faire. Voilà, après une période où c'est un peu morne, un peu... il se passait rien, il y avait peut-être des choses qui sont ressorties, mais c'était justement pour faire travailler dessus. Donc on y va, vite fait pour l'interprétation. Ici, 7 de coupe,
avec la force. Ici, vous allez surmonter les illusions, les craintes. Vous allez vraiment ne pas laisser la part belle à l'imagination dans le sens, dans le pire. Hein, c'est-à-dire, voilà, imaginons, je vous donne un exemple, vous regardez un épisode de Grey's Anatomy et vous allez vous dire, ah mais si ça se trouve, j'ai une fibromyalgie, je sais pas quoi, de je sais pas quoi, avec des noms latins très complexes. Et du coup, voilà, vous allez vous imaginer le pire alors que le pire n'est pas arrivé. Le pire, c'est juste dans l'imagination. Donc là, on vous dit de trouver cette force-là. De toute façon, avec le roi de denier, vous allez l'avoir. Hein, vous allez vraiment ancrer votre pouvoir dans le matériel, dans la vie concrète de tous les jours. Donc ici, vous allez recoller vraiment à ce que vous ne... à ce que vous voulez, en fait. On va plus parler de ce que vous ne voulez plus. Maintenant, c'est, hop, ce que je veux. J'en avais parlé, justement, dans l'exemple de la lettre au Père Noël, c'est-à-dire, je veux ça, et pas je veux plus, parce que le cerveau n'imprime pas, dans la neurolinguistique, pardon, le cerveau n'imprime pas les négations. Donc là, on va plutôt se dire, ok, je vais maîtriser mes émotions. Je vais maîtriser, pardon, pas mépriser, le petit lapsus. Je vais mépriser les émotions négatives, voilà, mais je vais surtout maîtriser les émotions. C'est normal, et je fais un petit clin d'œil, la personne se reconnaîtra, c'est normal d'avoir de la colère saine. D'accord, mais ne pas se laisser envahir par elle, c'est tout aussi essentiel. Donc là, la force sur l'imaginaire, la force sur les fantasmes, ce qu'on pourrait imaginer, qui peut conduire aussi à des angoisses, à des cauchemars, des insomnies. Donc ici, voilà, on maîtrise vraiment ce phénomène de voilà, je ressens des choses, mais je ne sais pas si c'est vrai. Donc vous allez déconstruire, hein, si ça, jamais vous avez, parce qu'on a quand même deux fois le 9 de bâton dans ce tirage, si c'est comme ça, vous écrivez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je pense est légitime? Est-ce que ce que je pense, pardon, est avéré? Faut que j'aille moins vite, hein, j'ai un débit de parole, là je me rends compte que ouh, ça fuse. Allez, c'est les énergies qui reviennent, justement. Le roi de denier avec le 7 de denier, oui, c'est ça. Ici, on fait un peu un bilan des choses négatives qui sont ressorties et des craintes qu'on a eues. Parce que le 9 d'épée avec le 5 de denier, ça parle vraiment des pertes. Donc peur de perdre sur le plan matériel, ça peut parler de l'abandon aussi, donc de tout ce qui va être sur le plan de... Un peu comme si on avait peur de la déchéance, d'être abandonné, mis de côté. Voilà, ça peut être l'enfant intérieur justement qui s'exprime, donc peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et de faire le bilan, de regarder en avant, de faire ses comptes, ça va vous permettre d'avoir une vision plus lointaine, puisque le roi de denier, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui a la vision. C'est-à-dire, voilà, moi ce que je fais, c'est pour que ça paye en fait. Donc là... Vous êtes dans cette dynamique-là et ce que vous voulez régler, c'est vraiment la négativité, les craintes, le désespoir, les cauchemars, les insomnies, comment je vais faire demain si jamais ma voiture, le voyant, etc. etc. Donc ça, peur au niveau financier, ça c'est sûr. Après, c'est pas... Bon, les cartes en parlent, mais j'ai envie de vous dire, c'est logique. On vit une période où c'est logique d'avoir ces énergies-là. Donc, c'est pas mystique, c'est pas magique, c'est tout simplement logique. Voilà, c'est mon côté rationnel qui vient aussi hein, sur la voyance. Il y a les énergies et le développement personnel. Donc là, des craintes après une période aussi où on a été restreint, donc on s'est forgé une nouvelle manière de vivre. Et puis là, hop, on fait le bilan. Et voilà, il faut se reconstruire dans une nouvelle dynamique. Donc ça, peut-être aussi que ça vous angoisse un petit peu. Mais c'est logique, hein, c'est normal. Donc autant bien, et c'est le 7 de denier qui va importer pour moi, parce que le roi de denier va parler de ce que vous voulez entériner sur le long terme, de ce que vous voulez amasser comme pouvoir ou comme... voilà, c'est l'abondance, hein, vraiment, le roi de denier, c'est l'abondance. Mais du coup, vous savez, et c'est cette carte-là pour moi qui est essentielle, quand bien même, enfin là, on n'a que des lames majeures, mais on a la force, votre force à vous, c'est d'aller regarder au loin vraiment ce que vous voulez ancrer, ce que vous voulez déterminant pour votre vie future. Donc là... Vous êtes en train un peu de faire les comptes, voilà, vous êtes à votre table, vous faites les comptes et vous regardez au loin. Qu'est-ce que cette période m'a apporté? Quelles sont les angoisses que ça a soulevées? Comment je peux améliorer ma vie? Et là, vous êtes dans une énergie d'entreprise, entrepreneur,
où vous allez vraiment vous mettre en action, mais dans le sens de la réflexion et de la réflexion pertinente. Il y a vraiment une pertinence dans la réflexion. Ici, donc on est au niveau du couple. Là, on a le 5 de bâton qui parle d'être toujours un peu sur la défensive, de se préparer au pire. Moi, j'ai l'impression, là, avec on a le 6 d'épée, là, on avait le 9 d'épée. Là, on a le 9 d'épée aussi, que vous imaginez toujours le pire. Donc, dans vos réactions, parce que le bâton va parler d'action ou de réaction, dans vos réactions, vous aviez peut-être toujours tendance à être un peu sur la défensive, à craindre le pire au niveau sentimental. Donc, que vous soyez en couple ou pas, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, c'était dans la vie affective. Voilà, est-ce que mon choix est le bon? Est-ce que cette personne est loyale? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et du coup, ça générait, voilà, on n'arrive plus à voir, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus... Vous voyez les épées, comment elles cassent le crâne, hein, c'est vraiment... Et le crâne, c'est le foyer de la pensée. Donc la pensée, le subconscient, l'intuition, etc. Troisième œil, chakra coronal. Donc tout ça, c'était un peu bloqué. Et du coup, vous aviez tendance dans votre système réactionnel à être sur la défensive. Et ça impactait la vie de couple. Donc là, il est l'heure du bilan. Vous avez... Et là, c'est plutôt vraiment... Enfin, c'est plutôt vraiment, ça veut rien dire. C'est pour déconstruire tout simplement l'euphémisme du siècle chez Mango. C'est-à-dire que c'est complètement, carrément, mais genre grave, les bonnes choses qui vous arrivent. C'est-à-dire que là, on a le 6 d'épée qui parle de quitter... quitter une manière de penser qui ne vous va plus, qui ne vous convient plus. C'est ce 9 d'épée, justement. La négativité, les craintes, les angoisses. Ici, ça, vous le quittez. C'est-à-dire, en ayant le bon raisonnement, le bon raisonnement, c'est aussi l'ancrage. Donc, peut-être des méditations d'ancrage, pourquoi pas, parce que cette semaine va être ce rétro-pédalage complet. Donc, ici, voilà, on revient à une nouvelle vie. Néanmoins, ça peut soulever encore des craintes. Que va être, de quoi va être fait mon futur ? Et là, justement, ok, je redoute pas, je vais accueillir, parce que là, on a le bonheur complet, hein, avec le 10 de coupe. C'est vraiment, voilà, il y a tout qui est ouvert, il y a tout qui est ouvert. C'est-à-dire que l'univers va déverser de l'amour, de la gentillesse. On repense aussi à cette énergie du 6 d'eau, donc avec beaucoup d'eau, hein, ici. 12 détermination, c'est peut-être comme ça que je vais appeler d'ailleurs la vidéo, c'est-à-dire qu'on fait preuve là de... On a la force, on a le roi d'épée. Donc, on est structuré mentalement. Alors, le roi d'épée, c'est celui qui déplace les échecs. Hein. C'est celui, c'est le stratège, en fait. Et ici, voilà, vous allez être stratégique. On a du Gémeaux, Balance, Verseau. Sachant que ce sont des signes d'air, des signes dans l'intellect, dans la volonté, le courage, dans la combativité, dans le désir, dans la motivation. Mais là-dedans, à l'intérieur de la tête, ici... J'ai l'impression que vous allez savoir comment déplacer vos pions, c'est-à-dire, ok, j'arrête de stresser, j'arrête de me préparer au pire à chaque fois parce que là, ça me fatigue, ça fatigue aussi peut-être la personne qui vit avec moi ou la personne avec qui j'aimerais être, et du coup, là, je vais faire les comptes parce que ce que je veux, c'est du long terme, hein. Avec le roi de denier, on veut vraiment du long terme, et là, je vais faire preuve de bonnes réflexions, je vais quitter ce système émotionnel et là, je vais accueillir l'amour. Donc, on a vraiment... quelque chose qui avance sur le plan de la réflexion, le plan du mental. Là, donc on a le soleil, c'était l'énergie, pareil. Alors voilà, ça va tenir comme ça, en plus on la voit bien. Ici on a tempérance et l'huit de denier. 3 de denier, 9 de coupe, 3 d'épée, ermite. Alors ici... Il y a de la communication, il y a des échanges, il y a aussi une dévotion avec le 8 de denier. Il y a le travail bien fait, l'art et la manière de faire bien son travail. Il y a aussi peut-être de la routine. On veut peut-être échanger sur une routine qui ne nous convient pas ou qu'on aimerait au contraire retrouver. Ici, 3 de denier parle d'écouter les autres, d'écouter les conseils des autres. Donc ça peut être aussi exprimer son talent, son savoir-faire. Moi, j'ai l'impression qu'avec tempérance... On va être vraiment, alors attendez, on va être vraiment dans l'idée que ici, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit simple, la simplicité. Moi, voilà, c'est ce qui ressort. On veut la simplicité, on veut la douceur, on veut l'harmonie, l'équilibre. Hein, le 8 de denier va aussi parler d'équilibre. C'est-à-dire que là, on s'est tissé
les rituels du quotidien qui vont nous faire du bien. Donc soit en couple, soit dans la vie professionnelle, mais il y a des échanges. Moi, je pense que là, il va y avoir de la communication, des échanges. On vous parle hein, d'exprimer votre vérité. Et là, on a le soleil, c'est-à-dire que tout s'éclaire. Après une période de 3DP, où on se sentait pas bien, on fermait son cœur, on était logique, on était distant, on était froid. Peut-être qu'il y avait même de la non-communication, parce que l'ermite parle d'introspection, de célibat, donc c'est peut-être une période de confinement, tout simplement, où on a fermé un peu son cœur parce qu'on s'est dit, voilà, là, je sais même plus quoi penser. Surtout qu'il y a tempérance et jugement, ouais, il y a de la communication qui revient. Avec l'ermite, on vous parle d'aller chercher au fond de soi, vraiment ce qu'il y avait à changer, ce qu'il y avait à comprendre. Donc là, vous comprenez que fermer votre cœur, ce n'est plus d'actualité, ou peut-être que la personne, votre autre, voilà, vous regardez peut-être cette vidéo, bon, c'est pour tout le monde, hein, c'est général, mais ici, c'est peut-être une personne qui fermait son cœur et qui maintenant va discuter, va vraiment essayer de trouver un équilibre, un accord aussi. Le 3 de denier, c'est le conseil, c'est écouter. Il y a vraiment l'idée d'un savoir-faire, mais écouter comment on doit le faire, comment on doit exprimer son talent, son don, enfin je sais pas comment dire ça. Mais là en tout cas, il y a du contentement. Hein. Le 9 de coupe, pardon, c'est vraiment le contentement. C'est-à-dire que là, on va se sentir bien, satisfait de la situation, on est content. Voilà, et avec le soleil, il y a tout qui s'éclaire, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des éclaircissements par rapport à une période où on était un peu, où la personne était un peu fermée, où on était fermé, et là on se dit, ok, je sais pourquoi, j'ai trouvé pourquoi j'ai fait ça. Et là, vous êtes apte à recommuniquer, à aussi quitter une situation, ce qu'on avait dû... Elle est où la carte? Oui, on avait du 7 de denier, à trouver vraiment la vision juste, à trouver comment faire. Donc là, tout s'éclaire et du coup, vous vous sentez vraiment bien. J'ai bugué parce que j'avais cru voir le 8 de coupe, mais non. Non, non, pas du tout. C'était le 7 de coupe. Donc on passe, hein. C'est un petit bug de ma part, vous inquiétez pas. Alors, jugement, 4 de denier, 3 de coupe. Ici, vous aviez tendance à vous protéger. Peut-être qu'il y avait un bouclier protecteur. Il y avait vraiment une défense de ses valeurs, mais une défense mordicus, hein. C'est-à-dire je laisse rien passer. Et là, il y a une ouverture. Déjà, la joie, j'en ai parlé du 3 de coupe, donc la communauté, la famille, les amis, donc le cercle proche. Savoir danser sous la pluie aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a les choses qui se mettent en place, tout s'éclaire, c'est peut-être pas encore arrivé de manière tangible, mais c'est parce qu'il reste aussi un petit peu de travail à faire sur justement les émotions négatives, là sur le court terme, pardon. Ici, le jugement, c'est on va comprendre pourquoi on s'était fermé. Il y a vraiment le Eureka, hein, c'est vraiment Eureka, tout s'éclaire, parce que là, on a le monde, donc la réussite totale, fin de cycle aussi, et avec l'as d'épée, on va se dire, ok, je sais maintenant comment faire pour passer à ce nouveau cycle, hein, pour arriver, on a quand même la force, les amoureux, le soleil, donc ici on a fait preuve de patience, de résilience, et maintenant on réussit, on a trouvé comment, on a trouvé pourquoi, et surtout, on a trouvé la bonne manière de réfléchir. Moi, avec l'as d'épée, j'ai l'impression que vous savez maintenant comment... c'est la dernière pièce du puzzle. Hein. Le monde, c'est vraiment la fin de cycle. Et ici... Alors, pardon, je vais essayer de... Hop. Je ne me suis pas rendu compte qu'on ne voyait pas les dos de deck. Bon, tant pis. Mais là, il y a vraiment l'idée, ok, je passe à l'action et je vais m'ancrer. Je vais concrétiser les choses. Ici, je comprends pourquoi j'ai été plutôt vers les amis... je me suis peut-être un peu fermée. Mais là, on a une révélation, quoi. Il y a vraiment une révélation. Donc, on va voir ce que ça va nous dire au niveau sentimental. Mais là, c'est une révélation, une prise de conscience, un éclaircissement. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se réajustent. Peut-être que c'est... Vous n'avez pas encore les effets immédiats. Hein, c'est l'effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on ne le sent pas encore tout de suite. Mais il y a vraiment l'idée que là, vous allez avoir des révélations, des choses qui vont se mettre en place. Allez, je ramasse tout ça. On va aller demander des infos, du coup, pour le sentimental. What is love?
Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ont parlé sur le plan sentimental et professionnel à la fois. Donc on va dire que là, c'était plus général. Là, on va demander sentimental, comment ça se passe. Donc, avec les énergies, je vais prendre l'oracle G. Alors, j'ai hâte du coup de recevoir, j'attends patiemment mes petits oracles achetés, voilà, commandés pendant le confinement pour tout simplement renouveler un peu la table de tarot, vous donner d'autres messages, avoir d'autres decks qui sont parlants aussi, que j'utiliserai bien sûr pour les guidances privées. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mangofilledutarot.com, mon site web. Vous avez les plages horaires, donc les réservations, la politique du site aussi, savoir comment je fonctionne en guidance. Voilà, vous aurez toutes les informations nécessaires et les plages horaires. Vous pouvez commander directement sur le site puisque je mets à jour mes disponibilités régulièrement. Le soleil, l'abondance, l'été, l'abondance. Donc tout va bien à ce niveau-là. Il y a les choses qui reviennent, hein. Il y a vraiment un retour d'énergie. Voilà, la paix, la colombe. Peut-être des retours. Alors, retour énergétique, retour du passé, retour d'un ex, d'une ex, peu importe. Ici, c'est vraiment, voilà, on est dans cette période où les choses reviennent à la normale. Il y a un retour à la normale qui se passe. Retour à l'action, retour à la normale, retour aux énergies. Alors, la paix, la sérénité. Hop, 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 hop. Là, on a quoi? La balance, équilibre. Il y a de la nouveauté et en même temps, il y a un équilibre sur les choses qu'on avait déjà. Peut-être un accord, des discussions, des compromis, des conciliations. On va retrouver la paix. On apporte de la nouveauté. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Donc, sur le plan sentimental, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette semaine? Alors, pour le soleil, l'abondance. Bon, ben là, on a trop de cartes. Dommage. Hop. Voilà. Voyage. Alors, voyage ici. Prendre de la hauteur. Je vous montre, hein, la longue vue. Prendre de la hauteur. Se délester d'un poids aussi. Faire preuve d'intuition. Écouter son intuition. Être... j'ai l'impression qu'il y a de la courtoisie dans le sens où ici, on va exprimer sa vérité, mais avec douceur. Et du coup, c'est là que la conciliation est possible. Et du coup, ça amène de la chance, de la sérénité avec la colombe. Oui, après une période d'instabilité dans le couple ou dans la vie sentimentale. Alors, avec la colombe, hop, on a compromis réunion. Donc, il va y avoir des visuels, il va y avoir des retours, des discussions peut-être aussi. On va... Voilà, j'avais parlé de conciliation, hein, on y est. Donc là, ça peut être au niveau du professionnel aussi. J'ai demandé la vie sentimentale, donc je vais rester dans la vie sentimentale. C'est vraiment un accord qui est trouvé. Miroir magnétique, donc là, on a regardé un petit peu, où l'autre a regardé vraiment ce qui n'allait pas, et du coup, vous allez en discuter. On rentre dans la période du Gémeaux aussi, hein. Le temps, la joie. Donc là, on vous dit que vous allez éprouver de la joie, mais qu'il faut laisser le temps au temps. Les choses vont se régler. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites ou faites pendant ce confinement qui vont être mises sur la table. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des discussions. Voilà, c'était une période d'instabilité. Donc là, vous avez envie de nouveauté. Et justement, on vous dit de vous exprimer, je vais mettre ça là, de vous exprimer avec le cœur parce que du coup, voilà, il y a le souci des autres, il y a le souci de réconciliation, de conciliation, de triompher des obstacles avec une douce détermination. Hein. Je rappelle, hein, l'énergie de la carte du 6 d'eau. Donc très bien, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Hop. Donc avec la triade, quel message avons-nous s'il vous plaît? Hop. Alors, protection et frère, donc une personne digne de confiance, sa relation est protégée, ou la personne que vous avez rencontrée est digne de confiance et vous êtes protégé d'énergie malsaine. Hein. Voilà, à partir du moment où de toute façon, comme on disait nos grands-mères, souris à la vie et la vie te sourira, eh bien vous vous délestez des poids, des choses négatives, et là vous attirez, hein,
y a des messages, des discussions. J'avais envie de dire quoi? Oui, par rapport au dicton un peu culinaire, c'est pas avec du vinaigre qu'on attire les mouches, hein, donc voilà, mettez du sucre et du miel et vous verrez, les choses vont s'attirer à vous comme, bah voilà, comme un papillon avec une banane, et vous allez voir, les choses vont s'arranger considérablement. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, réunion compromis, la paix, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, comme message avec la triade. Hop, les épreuves. Retour à l'énergie après une période d'épreuve, une période éprouvante, une période difficile, qui a été instable, qui a été un peu floue, un peu énergétiquement fatigante. Du coup, là, on retrouve l'énergie. Peut-être que vous allez parler, justement, des épreuves. Voilà, moi, ce que j'ai ressenti, le labyrinthe mental aussi dans lequel vous étiez. Donc là, il y a une sérénité qui revient. Donc, fin des épreuves, la lumière au bout du tunnel. Ça fait quand même deux fois qu'on voit l'abondance, le soleil, l'été. Voilà, là, on a le retour à l'énergie. Je vous montre, hein, d'ailleurs. Attendez. Voilà. Ici, la circonvolution. C'est vraiment les choses qui se remettent en mouvement, qui se remettent en place. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Merci de votre écoute. Et bien, les messages, voilà. Joie, temps, conciliation, compromis. Donc, vous allez peut-être échanger dans un premier temps, histoire de recaler les choses telles que vous les voulez. Donc, n'hésitez pas aussi à vous imposer, hein, n'ayez pas peur de faire valoir vos valeurs, de faire valoir vos envies, d'exprimer votre vérité. D'accord ? Ici, c'est important parce que l'autre va pouvoir aussi savoir que vous veniez de le rencontrer ou si vous êtes déjà avec. L'autre va pouvoir savoir vraiment où vous vous situez. Et du coup, on va dire que la relation va repartir sur des bases saines. Bah, d'ailleurs, on va aller voir ce que nous disent les cartes de l'oracle lumière. Ici, rencontre, donc réconciliation ou rencontre. Voilà, après une fuite énergétique ou une sensation d'avoir été dupé, d'avoir perdu quelque chose, ça peut être perdu quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui est parti. Épreuve, réunion, conciliation, compromis. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît? Donc, dans l'oracle lumière, la rencontre peut aussi parler de la rencontre avec l'autre et de la réconciliation. Déménagement. Bon, les choses bougent, hein. Les choses bougent après une période où c'était pas facile. Peut-être qu'il y avait justement, alors là on a des nouvelles, adultère, quelqu'un qui s'est menti à lui-même et peut-être qu'il s'est placé en ennemi, ou peut-être que vous aviez tendance à, j'ai le mot, surréagir peut-être, et parce que vous attendiez à certaines choses que l'autre n'a pas fait, ça a généré des conflits, ou peut-être que l'autre a fait certaines choses, ça a généré des conflits, ou peut-être que vous avez fait des choses et que l'autre... Bah, était dans le conflit. Ici, on a intelligence. Donc là, on va parler avec vérité. Il y a des choses qui bougent, hein, encore une fois. Déplacement, route. Il va y avoir des... Voilà, il va y avoir des... je pense qu'il va y avoir du monde sur la route parce que les gens vont être pressés d'aller chez les uns et les autres. C'est normal. Donc voilà, ici... Ouais, les choses bougent quand même. C'est très bien. Il y a de belles énergies dans ce tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle lumière. Le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je vous invite à aller voir son site parce qu'elle distille aussi beaucoup d'informations. Son site est très riche et c'est une dame en plus qui a un cœur en or. Voilà, donc elle a créé des oracles qu'elle met en ligne, qu'elle auto-édite. Hein, donc moi, c'était une manière aussi de supporter son travail parce que je la trouve vraiment formidable. Donc, n'hésitez pas, elle a une chaîne YouTube aussi, elle fait les voyances, hein, enfin les guidances, les énergies. Non, ça ne va pas. Donc, vous pouvez aller compléter avec ces tirages. Bien sûr, vous avez les chaînes comme By Mathilda, Benoît d'Island Guidance, Alice Nicolas, Hélène Descartes, donc le message Descartes, mais juste les initiales. Allez, on va aller voir, je vais mélanger, je vais couper. Avec le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Hop, on a travail, évolution. Donc, évolution au travail, très bien. Hop, fertilité. Donc, quelque chose, des idées fertiles, voyage. On a envie de voyage aussi, on a envie de bouger. Ou des choses qui vont donner... Ah, là, on a l'union. Des choses qui vont porter leurs fruits et qui vont vraiment vous permettre... Bon, l'union, ça peut être le contrat. D'accord, on va la mettre là, on va la mettre au milieu. Rencontres, il y a des rencontres ou des réconciliations.
rapidité après une période d'obstacles. Peut-être que, oui, il y a peut-être des amitiés qui ont posé problème, ou un homme, c'est un obstacle parce que c'était une amitié avec un homme, et du coup, bah, on a l'amour, on a les messages, on a la chance, la paix, le pardon, élévation. Allez, on y va, ça sert à rien de faire toute l'histoire avec toutes les cartes. Harmonie, santé, très bien. Femme, ok. Je genre pas les tirages, hein. Homme ou femme, voilà, c'est vraiment vous transposer. Et le destin, donc là on vous dit que c'était une période destinée, une période vraiment, bon là les choses bougent au printemps, mais là c'est vraiment quelque chose qui était nécessaire, hein, qui était écrit, qui était prévu. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à laisser faire, je vais pousser un peu ça, je vous laisse regarder. On va aller prendre le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc l'oracle, pardon, chakra du cœur. On va aller voir les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine du 11. Semaine du 11. Allez, on mélange. Ok. Alors, comment on va faire ça? Allez, je vais pousser comme ça. Voilà, je vais faire un petit arc de serre. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a ma petite lampe à côté. mes petits objets de décoration. Alors. Allez, celle-ci. Tu reçois des signes, donc voilà, je vous montre comme ça. Je remettrai après, hein, vous inquiétez pas. Ici, quels sont les messages pour cette semaine avec le chakra du cœur, s'il vous plaît? Concrétisation des projets, très bien. Et là, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Éloigne-toi. Ok, donc il y a, je pense hein, aussi, que ici, il y a un besoin, pardon... Il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin d'aller voir un petit peu, voilà, on a âme sœur, flamme jumelle, bon, vous savez très bien ce que j'en pense des flammes jumelles, je vais parler de l'autre personne, peut-être qu'il y avait de la dépendance affective, voilà, vous savez, on a homme, femme brune, vie en commun, dépendance affective, âme sœur, donc la personne de votre cœur, de votre, voilà, on vous dit que c'était, il y avait un travail à faire pour évoluer, je vais disposer ça comme ça. J'aime bien l'histoire que ça raconte, vie en commun, pourquoi pas. C'est peut-être dans la vie en commun, il y avait trop d'interdépendance. Et du coup, on vous dit, alors je vais essayer, voilà. Je vais aussi remonter les cartes pour que vous voyez les messages clés. Homme, femme, brune, bon ça, je sais pas, voilà, mémoire karmique. Peut-être qu'il y a eu une rupture. Ou changement positif, âme sœur spirituelle, rencontre par synchronicité. Donc il y a vraiment l'idée ici de travailler sur soi, de s'éloigner de la négativité, qu'il y avait un travail d'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà, que ce confinement a mis en lumière des choses qui étaient nécessaires. Donc homme, femme, brune, je le laisse, mais pour moi c'est plutôt blocage karmique. Peut-être qu'il y a eu des ruptures aussi. Bon, ça, c'est normal avec le confinement. C'est normal en tout temps. Hein. Donc, confinement pas, il y a eu des ruptures. Ici, âme sœur spirituelle. On va la garder. Rencontre par synchronicité. On a aussi n'écoute pas les autres derrière. Je vous montre, n'écoute pas les autres. Blocage matériel financier. Donc, il y a eu une période de blocage qui vous a permis de travailler sur votre évolution. On vous dit de vous éloigner, hein, voilà, il y a vraiment éloigne-toi, voyage, fertilité, que si vous êtes dans une relation un peu dépendante, où il y a un lien très fort, vous ne pouvez pas vous passer de l'autre, vous vous arrêtez pas de penser à cette personne, etc. Eh bien, on vous dit de vous éloigner, que ça va justement vous donner de nouvelles idées, de travailler sur vous-même, de manière à pouvoir justement... Bah, au contraire, en plus, favoriser l'union, donc que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Ici, on vous dit de prendre soin de votre santé, que vous allez retrouver de l'harmonie aussi avec l'ancrage. Et tout ça, c'était le destin, de tout simplement la clé du destin. Ici, rencontre par synchronicité, très bien. N'écoute pas les autres, c'est peut-être des influences extérieures ou bien... moi, j'ai l'impression... Allez, je repasse de l'autre côté. J'ai l'impression que c'était aussi... votre tête, en fait, qui était votre propre ennemi, vos idées négatives. Donc là, ça a été vraiment une période où vous avez dû travailler là-dessus. C'est un peu comme un bilan, je ressens d'ailleurs, avec ce 7 de deniers. Voilà, on fait le bilan du confinement. Ok, il y a eu ça, j'ai travaillé là-dessus.
changement positif et rupture, pour moi, il y a vraiment l'idée de s'éloigner. Alors, ça peut être une rupture, mais il peut y avoir des retours. Changement positif dans une relation existante, c'est la relation à l'autre, c'est le lien à l'autre, hein, justement. Mais on doit travailler sur ces blocages. Là, on voit quand même des cartes pas très sympas, dans le sens où tout ça, c'était pour travailler sur un... comment dire? Karmiquement, des fois, vous savez, alors quand je parle de karmique, attention, je fais vraiment le lien dessus, hein, pour que les choses soient claires. Le karma, c'est vraiment, voilà, ce qu'on fait, ce qu'on se traîne, ça va être des choses du passé, ça peut être des choses de son enfance. Et du coup, couper un lien karmique, c'est vraiment, je travaille sur une blessure de l'enfance, des ruptures à gogo, donc je sais pas d'où ça vient, et en fait, ça peut être un lien au père. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le travail de Stéphanie Abellan, les Médéors d'Anka. Vous avez Athénaïs Magnétisme qui répare un petit peu tout ça. Il y a les Médéors. Hein. Je vous montre ma dernière acquisition en date parce que celle-ci, elle était vraiment... J'ai su qu'elle arrivait aujourd'hui dans ma boîte aux lettres parce que les rêves que j'ai fait, ont été vraiment exceptionnels. Donc ça, c'est la petite fautive. C'est un soin de nuit qui permet de capter parce qu'on a beaucoup, beaucoup de messages du subconscient. Donc ça, on le porte la nuit. Et voilà. Donc le matin, moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je note mes rêves. Et ce matin, j'ai fait des rêves, enfin, absolument magnifiques. J'ai rêvé de la lune. Donc voilà. Et vraiment, c'était... bon, comme si la Terre, voilà, la Lune était au-dessus du pôle Nord et la Lune défilait très vite, voilà, comme une comète. C'était absolument génial de voir ça, comme si j'avais l'univers, voilà, je levais les yeux et au lieu de voir des nuages, je voyais tout le cosmos, toutes les constellations. Enfin voilà, en tout cas, merci Stéphanie pour ce joli rêve, je pense que c'est dû à ta Médéor. Athénaïs qui fait des soins, donc je vous invite à aller voir la page, athénaïs.net. Vous avez aussi Mégane Medium Voyance qui fait justement les vies antérieures ou les missions de vie si vous avez envie de travailler tout ça. Et puis moi, la voyance sur le développement personnel comme je le fais en vidéo. Voilà. Allez, on va prendre un dernier message pour l'amour et avant de continuer quand même. Alors, je prends les anges de l'amour. Waouh, désolée. Alors, mariage, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. J'avais pas vu la petite dernière. Mariage, cette situation comporte un mariage. Ici, union. Bon, c'est pas forcément le mariage, hein, c'est vraiment l'union sacrée, comme je parlais des amoureux tout à l'heure avec cette carte, c'est-à-dire le choix du cœur, le choix divin. Donc ici, cette situation comporte une union sacrée. Peut-être qu'il est, il ou elle n'est pas encore arrivé, vous dites, bah oui, mais il n'est pas encore arrivé, bah justement, travaillez sur vous, et vous verrez, accueillez tranquillement. Voilà, vous revenez dessus si vous n'avez pas eu le temps de faire la capture d'écran du tirage. Je voulais juste faire un peu de place. Donc, cela vaut la peine d'attendre. Cette situation comporte un mariage, et là, on a « Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. » Donc, très bien, très jolie énergie. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran pour avoir les mots-clés. Voilà, avec ma petite lampe d'ambiance, mes petits trucs à moi. Voilà, on ramasse tout ça. On va aller voir... mais le secret, c'est de patienter sans s'y attendre, en fait. Vous faites vos trucs du quotidien. Voilà, moi, c'est le conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, le libre arbitre va toujours primer, bien sûr. Mais accueillez les petites choses du quotidien. On avait l'8 de denier, le 6 de coupe. Voilà, c'est vraiment être dans la bienveillance, dans l'amour, dans les choses du quotidien. On va voir ce que nous disent les oracles, le tarot des anges de Dorine Virtu. Hop, 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à travailler. Ici, c'est la synthèse du tirage avec les messages du ciel. Page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux. Donc on le retrouve, hein, ce valet d'épée. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc ici, vraiment... Vraiment, vraiment, travailler sur votre état d'esprit, parce que quand vous allez exprimer votre vérité, imaginons, vous avez
une offre d'emploi, vous n'avez pas forcément les bonnes énergies, ou une personne revient pour s'expliquer, vous la taclez, elle va vite repartir. Donc voilà, on vous dit, prenez une pause, soufflez, exprimez votre vérité avec compassion, parce que derrière, il va y avoir, je pense, des explications là. Surtout que 5 d'air, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Donc ça a dû être des conflits assez importants où l'autre a voulu avoir le dessus, donc ça a engrainé, voilà, quand on veut avoir le dernier mot dans le couple, hein, ou même au travail avec un collègue, hein, ça peut être aussi ça, hein. Forcément, la situation après nous échappe, donc on s'attend au pire, donc on a, on va dire les conséquences, même si le page d'air, il n'est pas forcément négatif, ici, on vous dit d'être sur la brèche, au contraire, de rafraîchir votre état d'esprit. Eh bien, voilà, as d'air. Nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors ici, il y a peut-être eu un début de relation difficile, mais justement, en comprenant ces énergies-là, en les appliquant, vous allez améliorer la situation. L'as d'air, hein, c'est l'as d'épée, et l'as d'épée, je le disais, c'est Eureka, l'ouverture, la bonne idée. Voilà, les énergies sont considérablement améliorées. Et en d'autres decks, regardez si c'est pas magnifique. On a le soleil avec l'archange Uriel. Heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Donc, j'espère que vous entendrez le message parce qu'il n'y a rien de négatif. Au contraire, les cartes vous disent, là, tu as eu du négatif, tu le travailles, tu lui tords le cou à ce négatif et tu vas avoir le dénouement. Alors, oui, on va prendre une carte conseil. Non, je vais prendre les portes de l'intuition. Tiens, j'ai envie de faire un truc. Voilà, comme ça. Les portes de l'intuition. J'en ai pas oublié. C'est bon. Alors, pour le 9 d'air, quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le conseil des cartes? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc c'est ce que je vous disais, le petit exercice, vous notez vos craintes, voilà, vous allez faire preuve de logique, vraiment. Pour le page d'air, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon ben voilà, on est en plein dedans, hein, les cartes, elles, merci de ne pas me contredire, j'aime bien quand c'est comme ça. La parole, hein, d'autres decks, la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Je pense que le message est là d'ailleurs. Allez hop, on va le garder. Et l'as d'air, ici, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et en dos de deck, le soleil. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, donc affirmation de soi, compromis, mais compromis gentil hein, quand même. Mais ça va être dans la parole. Hein. Là, il y a quelque chose à comprendre dans la parole. Je la mets à côté. Voilà. On va aller voir les affirmations positives avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Alors, allez, une carte pour cette semaine, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie de la semaine et l'affirmation positive que les personnes qui regarderont la vidéo appliqueront pour améliorer leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Il y en a deux. Bon, allez, je garde la première, Ganesha. La deuxième, vous ne l'avez pas vue. Ganesha, c'est aussi l'abondance. Hein. Ah ben voilà, obstacle écarté, protection, conseil. Alors, je vous laisserai, vous faites une petite pause pour lire tranquillement. Allez, je masque ça. Comme ça, vous avez l'affirmation positive en même temps et la jolie carte. Alors, est-ce que je masque... Voilà, là, c'est bon. Donc, je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Et je vous dis ça, il y a plein de... Comme des paillettes, là, qui s'allument dans mon champ de vision, comme si c'était des petites étoiles qui venaient scintiller. Donc, je pense qu'il y a un joli message derrière. Donc voilà, très bien, très joli, bravo, belles énergies pour cette semaine. Alors, une carte pour les amoureux. Ah non, j'ai pas fait les... quand même, allez, une petite carte de l'univers.
Message de l'univers, s'il vous plaît. Un message de l'univers. Alors. Alors, désolée, je pose mon coude sur la table, donc ça fait du bruit. Allez, un petit message. Hop. Alors, mes expériences, on va dire mes expériences extérieures, sont une réflexion de ma condition interne. Donc ici, vous ramenez le bien, vous avez du bien. Vous ramenez, vous enveloppez de négatif, vous avez du négatif. Donc ici, voilà, on vous dit hein, de libérer vraiment définitivement le négatif. Pour les couples, bah, du coup, et pour les célibataires. Donc, je vais commencer par les célibataires, s'il vous plaît. Donc, le même hein, que c'est Tony Carmine Salermo, il me semble. Allez, pour les célibataires. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors, pour les couples, s'il vous plaît... Hop. Non. Excusez-moi. J'aime bien battre un peu les cartes. Hein. C'est juste que c'est difficile à prendre en main. Il y en a une qui est... Il y en a deux. Allez, pour les couples. Voilà. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Mais j'ai envie de vous dire... Que vous soyez en couple ou célibataire, ce message, il est pour vous, pour toi. Voilà, pour une fois, je vous tutoie, ça veut rien dire, mais voilà. Prenez bien soin de vous. Continuez, hein, bien sûr, à respecter les gestes barrières, parce que, bien sûr, les corps de métier qui ont soutenu la France, qui ont vraiment supporté à bout de bras la France, l'économie, bah, qu'on puisse faire les courses, qu'on puisse se nourrir, eh bien, c'est grâce à eux qu'on le doit aussi. Toutes les personnes qui ont respecté le confinement, merci à elles. Voilà, une grosse pensée aussi pour les parents qui doivent jongler. Est-ce que je mets mon enfant à l'école? Je mets pas mon enfant à l'école? Les enseignants, les instituteurs, voilà, tout le monde. On vous envoie une grosse boule d'énergie, de l'amour. On a ce message pour vous, ce message est pour toi. Voilà, je vous embrasse. Cette fin de tirage m'a fait plaisir parce que franchement, là, on a vraiment des choses qui se débloquent, hein, on le sent. Les cartes en parlent aussi, donc c'est ça qui est magique. Ça fait plaisir de racoler la situation, de recoller, pardon, pas racoler, ça veut rien dire. Voilà, bah, on se laisse sur ce petit lapsus. Allez, je vous aime, je vous embrasse et à très vite. Bye bye!